Ah là là là, les gars, les gars, les gars, bonsoir! Vous allez bien ou quoi, les frérots? Tranquille, content de vous retrouver ce soir pour une petite nocturne. Une certaine nocturne après une soirée absolument immense, hein, je tiens à le dire. Une journée absolument immense. Vraiment, ça va être la folie. Enfin, ça a été la folie, pardon. J'ai vraiment vécu des émotions hautes. Et dites-vous que j'ai vécu des émotions hautes sur une journée où je suis neutre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'en bats les couilles du Brésil, je m'en bats les couilles de l'Argentine, des Pays-Bas et tout. Bien évidemment, ici, nous sommes un petit bâtard. Donc, j'aurais adoré que l'Argentine et le Brésil sautent, hein, je le dis direct. Parce que c'est des équipes qui me font flipper. Alors que les Pays-Bas, la Croatie, ça me fait moins peur. Sans manque de respect pour eux, hein, ça reste des bonnes équipes. Merci à Netflix pour le sub, merci Picassos, frérot. Mais au final, 1 sur 2 seulement, les rois brésiliens ont sorti. Enfin, sont sortis. Et ça me permet de pouvoir dire un truc. Ça me permet de pouvoir citer quelqu'un qui m'avait annoncé la chose. J'avais trouvé le Brésil effrayant sur certaines phases contre la Corée. Yanis Zim m'a dit, premier bloc back, ça rencontre, ça retourne faire des brigades, des grillades à Obrigado Rodizio, t'inquiète pas. Obrigado Rodizio, c'est un restaurant halal de grillades brésiliennes à Lyon, hein. Juste pour que vous ayez la... Pour que vous ayez la ref jusqu'au bout. Donc, si demain... Vous allez à Obrigado Rodizio, à Lyon, tu vois, vous allez à Obrigado Rodizio. Il y a une chance que, au milieu de tout ça, le serveur, bah, ce soit Richarlison. Il y a moyen que cette tendre viande ait été servie par Eder Militao, voilà. Non, parce que frère, le gars comprend le football à un niveau rarement vu, hein, quand même, hein, c'est important de le dire. Non mais Yanis Zim, mes respects, on t'a vanné sur FM, mais c'est toi qui as raison mon gars. C'est toi qui as raison. Kader Miro dans la cuisine, exactement. Frère, c'est grave de comprendre le football à un tel niveau. Donc, dédicace. Merci Nico pour l'OSM. Ça mérite que tu le cites. Ah non, mais fort, fort. Il n'y a rien à dire. Hein, franchement, fort, fort. Vraie journée. Et demain, pour moi, ça va être une journée encore, encore pire. Parce que là, le Maroc joue. Le Maroc joue. Sans Naïef Aguerd. Apparemment, il y aurait aussi. Benatia aurait annoncé un blessé supplémentaire marocain à l'entraînement du jour. Ce serait peut-être Mazraoui. Mauvaise nouvelle. Après, Ati Atala était bon aussi quand il rentrait, Ati Atala. Donc voilà, mais j'avoue que ça peut être un peu relou. En tout cas, bon, bah, on va soutenir le Maroc comme jamais, hein. Le Muntahab, l'Ouattani, hein. On va soutenir ça à fond à 16h. Évidemment, la France à 20h! Donc là, coup sur coup, aujourd'hui, émotionnellement, je m'en battais un peu les couilles. Mais là, coup sur coup, demain, j'ai deux matchs où je suis à fond, tu vois. Là, vraiment, je suis à fond. D'ailleurs, je pensais que la France jouait à 16h, alors que pas du tout. Au final, elle joue à 20h. Je te kiffe, mon frérot. Demain, c'est Portugal. Non, mais y a pas de soucis. Il y a des Portugais dans le chat. Donc, si vous êtes pour le Portugal, je vais pas vous dire bande de connards, tu vois. Moi, je suis franco-marocain. Bah, je suis pour la France et le Maroc, logique. Donc voilà. T'as une appréhension, toi, pour la deuxième partie de la saison du PSG? Alors moi je vais te le dire frérot, je m'en bats les couilles de la deuxième partie de saison du PSG. Hein. Quand le football va reprendre, je vais déjà devoir vivre la seconde partie de saison de l'Olympique Lyonnais. Crois-moi c'est bon, hein, ça me suffit. Hein. Paris, je leur souhaite de se faire éliminer en 8ème de LDC, FISA, et on n'en parle plus. Hein. Moi c'est tout ce que je veux. Bref, c'est des petites rivalités, rien de méchant. Mais ouais. Alors aujourd'hui, des grosses rencontres de fou. Hein, Lionel Pepsi. Vraiment, je suis quand même absolument fasciné par Lionel Messi qui a décidé, après je sais pas s'il l'a décidé, mais de drop sa meilleure coupe du monde à 35 ans quand même. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Lionel Messi et CR7, ils étaient connus pour avoir eu du mal historiquement en coupe du monde, bien que Messi fait une bonne coupe du monde 2014, hein, c'est important de le redire. Malgré les légendes urbaines qui ont envie de créer, hein, c'était Di Maria, oui, Di Maria fait aussi une belle coupe du monde d'ailleurs, mais bon, à partir du moment où le mec rate quasiment toute la phase finale, bon, c'était un peu difficile de vivre cette réécriture, mais voilà. Messi fait quand même une belle coupe du monde en 2014, mais là, c'est grave. L'Australie, son match ce soir, ses phases de poule.
Ah, c'est fort, c'était fort. Et vraiment, c'est assez dingue parce que le frérot, sur un match de 90 minutes, arrive à avoir une comp qui en dure limite 5, quoi, tu vois. Alors, bien sûr, dedans, il y a des ralentis et tout, hein, je suis pas débile, mais frère, son match est absolument dantesque. Hein. Et la passe sur le but, avec ensuite, du coup, derrière lui-même le but, le penalty, et ensuite, boum, l'autre penalty. Alors des tirs au but, avec bien sûr, il a assumé son statut de capitaine. Vraiment, cette équipe d'Argentine, elle est pas dégueu. Il y a des choses bonnes. Il y a Acuna, il y a Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul fait un bon match. Tout n'est pas à jeter, même si je trouve qu'offensivement, il y a des manques, notamment de course. Mais sans Messi, il y a Messi et puis il y a les autres. Après, bon, c'est comme si je te disais la France sans Mbappé ou des trucs comme ça, bien évidemment, c'est normal. Mais Messi, tout ce qui te crée dans cette équipe, c'est absolument énorme. Alors là, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a balancé quelques beaux drops. Hein, si on doit être honnête, il a balancé quelques beaux drops, même à la fin des prolongations. Il a aussi eu un moment où il a disparu, hein, si on doit être tout à fait honnête jusqu'au bout. Quand les Pays-Bas ont pressé à 2-0 pour marquer, c'est vrai que Messi était moins visible. Il touche peu de ballons, 5-6 ballons seulement, on le disait sur l'équipe. Mais pour le reste de son œuvre, pour le reste du match, oh la passe de... Mais franchement, je pense que... Et c'est ouf, parce que dans sa carrière, des passes de ouf, il en a. On pense notamment à celle lors du Classico, qui s'en rappelle, celle qui part du rond central, qui pendant le Classico, pour Samuel Eto'o, je crois. Elle est dingue, mais ça, cette passe, je pense, c'est l'une des meilleures de toute sa carrière. C'est une des meilleures de toute sa carrière. Non mais regardez-moi cette passe. Dans un trou de souris, avec un peu de réussite bien évidemment, hein. Je pense pas qu'ils se disent ça doit aller entre les jambes, mais voilà, passe cachée pour Nahuel Molina qui avait pris l'espace et qui termine. Non mais les gars, c'est absolu, mais c'est dingue. On se rend pas compte de la petite feinte et puis de la passe absolument dingue qui met, quoi. Genre la passe, enfin. De toute façon, ici, vous savez déjà que pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Mais frère, quand tu vois ça, c'est le seul à faire ça. Et c'est le seul qui ait jamais fait ça avec une constance pareille sur toute sa carrière. C'est absolument dingue. C'est vraiment un joueur de malade. C'est grave. Vraiment, c'est grave. C'est pour Pedro ou Villa. Ah ouais, t'as raison, c'est pas pour Eto'o. C'est pour Pedro, je crois, d'ailleurs. C'est... Ou pour Villa, ouais, t'as raison. L'un des deux. Tu m'as fait douter. Mais en tout cas, voilà. Franchement, match énorme de sa part. Et l'Argentine passe en grande partie grâce à lui. Pas seulement, hein. Acuña fait un bon match, Enzo Fernandez fait un bon match malgré son pénalty raté. Otamendi fait un bon match également, important de le dire. Un peu esselé à un moment quand Van Gaal a fait... Vraiment, Van Gaal, il a jeté ses préceptes football en l'air comme Piccolo. Et il a fait rentrer deux grands hubs. Et ça a été que des longs ballons, ça a été bien drôle. Mais ouais, non, franchement, il a vraiment fait vraiment un match... Un match de fou, vraiment, c'est dingue. Hein. Sur le match, j'ai pas trop aimé la mentalité des Argentins. J'ai pas aimé non plus. Franchement, si t'es neutre, si t'es pas Argentin ou si t'es pas pour l'Argentine, c'est-à-dire si t'es neutre ou alors néerlandais, t'as pas pu aimer la mentalité des Argentins parce qu'elle était dégueulasse. Mais à gratter des fautes de partout, à être hyper vicieux, Paredes, si on veut être honnête, quel enculé, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment une grosse merde. La grosse chiche qu'il envoie dans le banc, il a vraiment de la chatte de pas prendre rouge. Hein. Il mérite rouge absolument tous les jours. Déjà parce que le tacle est vraiment... c'est n'importe quoi. Et ensuite parce que tacle plus tiré sur une équipe adverse comme ça dans le banc, il a de la chance, ça touche pas un joueur. Hein. Mais frère, c'est absolument n'importe quoi. Pour sortir Romero, le plus grand des défenseurs, pour moi, c'était une faute. Après, à part peut-être que Romero avait peut-être un truc. Mais effectivement, Romero, 1m87, c'est important de le garder. Après, quand Romero sort, est-ce que c'est le moment où il y a déjà Weghorst et Luc de Jong? Parce que genre, je me rappelle plus exactement du timing où il sort. Je me rappelle de Paredes qui rentre à la 65, mais le reste, j'avoue, je sais plus. Mais après, les Pays-Bas ont aussi fait leur lot de fautes. Hein. Mais il y a aussi eu des fautes très gentilles. Franchement, si on a envie d'être honnête, quand on prend le rapport de fautes et de trucs... C'est quand même allé globalement en faveur des Argentins, si on a envie d'être tout à fait honnête. C'est allé en faveur des Argentins. Genre, dites-vous qu'à la fin, quand même, Mateo Laoz, dès qu'il y avait un duel aérien, même s'il n'y avait pas spécialement de contact, et vu que le duel aérien, du coup, c'était les Pays-Bas qui déclenchaient ça, bah, il sifflait quand même très souvent des fautes inexistantes, quoi. Donc, mais ça a été un match catastrophique de la part de Mateo Laoz quand même, hein, si on doit être tout à fait honnête. Il a vraiment perdu le fil du match complet et au final, il a vraiment fait n'importe quoi. Donc, franchement, what the fuck, tu vois. Mais, et franchement, si on doit être tout à fait honnête, il y a un moment où ça m'a fait rire un peu. Mais
mais sur l'action de la faute de Paredes, enfin du ballon de Paredes là, quand Van Dijk arrive et lui colle un tampon, j'ai hurlé. Hein. Vraiment, le tampon que lui colle Van Dijk, j'ai bien hurlé. Et attends, moi je veux remonter direct au pénalty plein de sang-froid carrément. D'ailleurs là par exemple il siffle le corner alors qu'il n'y a pas du tout corner, bah, ça, on s'en branle. Est-ce qu'il y a le pénalty? Ouais, le pénalty de Losa qu'il envoie. Vraiment là, les yeux sur le gardien tout le long, hop, petite ouverture à la fin avec la petite célébration face au cop et tout. Rien que ça, ça donne une confiance absolument monstrueuse à tout le reste de l'équipe, tu vois. Et sur ça, il a porté ses couilles. Sur ça, il a vraiment porté ses couilles de fou. Après, bon, franchement, si on doit être honnête, les Pays-Bas ont pas très bien joué, puis ont bien joué quand il a fallu chasser le score et qu'ils ont fait rentrer leur perche. L'Argentine a reculé n'importe comment et mérite de se faire égaliser. Et comment ça s'appelle? Et puis après, derrière, les débats se sont remis un peu ensemble en prolongation et tout. C'est important. C'est très important. Donc voilà. Hop. Deux équipes de merde, honnêtement. Ouais, c'est vrai que c'était deux équipes qui n'ont pas fait le plus gros des matchs, si on doit être tout à fait honnête. C'est deux équipes qui n'ont pas fait le plus gros des matchs. Qui n'ont pas fait le plus gros des matchs, voilà. C'était pas le match le plus intéressant, enfin le plus intéressant dans le jeu, j'ai envie de dire, mais dans le contenu, enfin pas dans le contenu, mais dans le scénario, c'était vraiment de la frappe. Dans le scénario, c'était vraiment, vraiment de la frappe. C'était vraiment incroyable. Le dernier but est incre des Pays-Bas, mais moi, vraiment, c'est même pas pour faire le mec, ouais, j'avais vu, j'avais dit, machin, nanin, je sais pas quoi, mais à la 80... sur le premier coup franc de Bergwijn, là, sur le premier, je m'étais dit, oh là là, ils peuvent faire une combinaison. Au final, Bergwijn tire, ça passe pas le mur, mais je me l'étais dit, vraiment, je me l'étais dit. Et au final... et au final, quand ils l'ont fait la deuxième fois, ça m'a fait hurler. Vraiment, quand ils l'ont fait la deuxième fois, ça m'a fait hurler. Je me suis dit, ah, c'est bien. Genre, ils l'ont fait, c'est cool, tu vois. Donc non, c'est propre. Y a pas à chier. Vraiment, c'est génial. J'ai trouvé ça trop, trop cool. 200 IQ, ouais, de ouf. 200 IQ de zinzin. Je vais le faire tout à l'heure. J'aime bien donner. Donc non, grave cool. Vraiment, la folie. Le pire, c'est que c'est pas la première fois. Ouais, j'ai vu qu'à Wolfsburg, il l'avait déjà fait. J'ai vu un but remonter à Wolfsburg plus tard. Alors, attends. Hop. Merci, Skrunks, pour l'abonnement. Merci, le frérot. Hop. Par contre, j'ai raté un truc, mais pas compris pourquoi les gens sont contents que le Brésil se soit pris un mur. Parce que, pour plein de raisons, mais c'est vrai que le Brésil respirait aussi un peu l'arrogance par moment, et donc nécessairement, il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'il passe. Enfin, qui voulaient pas qu'il passe parce que. Bah, parce que pour ça, en fait, tout simplement. Tout simplement pour ça, les danses un peu forcées, et aussi, tu vois, les déclarations de Richarlison, la story de Neymar avec la sixième étoile et tout. Et aussi un autre truc, pour le côté petite équipe et outsider. Il y a beaucoup de gens qui aiment les petites équipes et les outsiders. Bah oui, c'est important de le dire. Donc voilà, c'est leur culture, les danses. Non, mais c'est... au bout d'un moment, Faut pas trop en faire, surtout que tu vois, quand les mecs se prennent 4-0, tu vois ce que je veux dire. Genre, j'avoue, la réunion de 7-8 joueurs qui dansent sur ta mère, même à 4-0, bon, au bout d'un moment... tu vois ce que je veux dire. C'est avec le coach et tout machin, on peut comprendre que ça en fasse trop, tu vois. Leur sectionnaire qui danse et qui se fait virer le match d'après, c'est trop drôle. Ouais, de ouf. Mais moi, il y a un truc qui m'a fait rire, tu vois, c'est ça. Après, je veux pas faire les gris, tu vois, je comprends les danses et tout, tu vois. Mais entre danser un petit coup, premier, deuxième but, et puis après continuer à renvoyer 64 danses à 4-0, vas-y, au bout d'un moment, lâche l'affaire, tu tapes une équipe qui est à terre, là, tu vois. Même si j'y vois pas le plus grand des manques de respect non plus, mais c'est bon, tu vois. Et ça, là...
C'est vraiment la... Ça, c'est vraiment la... Ça, c'est vraiment la vidéo du siècle. Vraiment, c'est la vidéo du siècle. Vraiment, c'est la vidéo de Zinzin. Vraiment, c'est la vidéo... Hey, cette vidéo est vraiment ouf. Bon, en tout cas, ça a créé un peu d'inimité, c'est logique, tu vois. C'est logique qu'il y ait des personnes qui se soient dit « Ouais, vas-y, c'est pas cool, tu vois. » Donc voilà, bon, après, c'est pas le drame du siècle, tu vois. C'est pas le drame du siècle non plus, mais voilà. Un remake en finale de 2018. Il y a du divertissement au moins. Ouais, de ouf, il y a du divertissement au moins. À la pause de la prolongue, ils fêtaient déjà comme s'ils avaient gagné. Bah après, franchement, à la fin, ils attaquent à 6 ou 7 comme des zinzins, alors qu'il suffit de garder quand même un but. J'apprécie la prise de risque hein, par moment, hein, mais vraiment sur l'action avec Thiago Silva qui est très avancé et eux qui sont tout en équilibre pour le but de Petkovic, quoi. Petkovic qui avait fait la sorte de double contact et tout, c'était dingue.